bonjour. Donc on va reprendre le cours où on l'avait laissé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait commencé à voir un peu IPv6 dans les grandes lignes. On a vu les quelques avantages qu'il y avait. Et en particulier, l'intérêt d'IPv6, c'est de pouvoir continuer à faire marcher l'Internet, vu qu'on n'a plus beaucoup d'adresses IPv4. Donc aujourd'hui, on va regarder plus en détail ce protocole. Et puis, donc, j'espère que vous n'allez pas partir en courant, parce que, généralement, quand on voit ce qu'il y a au tableau, eh bien, ça fait peur aux administrateurs système, qui se disent, jamais j'arriverai à faire ça. Moi, je suis habitué à mes adresses sur 32 bits, et là, avoir des adresses sur 128 bits avec cette représentation bizarre, eh bien, j'arriverai jamais à gérer mon réseau et à me rappeler de tous ces trucs-là. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas des vraies adresses IPv6. Elles sont construites à la manière d'IPv6, mais ce sont des nombres aléatoires. Il est évident que personne ne peut se rappeler de 128 bits aléatoires. Déjà, votre adresse MAC, l'adresse MAC de votre carte Ethernet ou Wi-Fi, vous n'arrivez pas à vous en rappeler, alors sur 48 bits. Maintenant, si on la met sur 128 bits, il n'y a aucune raison que vous vous en rappeliez. Par contre, si vous connaissez la structure qu'il y a derrière l'adresse, eh bien, ça va devenir beaucoup plus simple à gérer et ça vous fera moins peur. Donc, l'idée que je voudrais que vous ayez à la fin du cours, c'est de penser que l'adressage IPv6 est plus simple, en fait, que ce que l'on fait en IPv4. C'est nouveau, donc ça fait peur, mais on va voir qu'en réalité, on a plein de choses qui nous facilitent la vie. Alors, donc là, on a vu, c'était des nombres aléatoires. En fait, une adresse IPv6, donc c'est mieux qu'une adresse IPv4 pour plusieurs raisons. En IPv4, vous prenez une valeur, je ne sais pas, moi par exemple, vous avez 32 bits, et vous mettez 128.93.17.1. Donc ça, c'est, vous prenez vos 32 bits, vous les divisez en mots de 8 bits, et vous séparez par des points. Bon, en IPv6, vous prenez vos 128 bits, vous les divisez par mots de 16 bits, et à la place de mettre un point, vous mettez un 2 points. Et donc, on a quelque chose de... on retrouve cette séquence. Alors en plus, ce qui est casse-pied en IPv4, c'est que l'on passe d'une représentation binaire à une représentation en base 10. Et c'est toujours casse-pied à gérer, ça, parce que on ne sait pas très bien où se trouve la frontière des bits. Par exemple, si ici je vous avais mis à la place 215, 214, et je vous donnais un netmask /26, quel est le numéro de la station, quel est le numéro du sous-réseau utilisé, eh bien, c'est pas évident, il faudrait connaître les deux premiers bits de 214, et ça, on a beaucoup de mal à les connaître. Alors, en IPv6, comme on va essayer de cacher cet objet technique aux utilisateurs, eh bien, on va passer à une représentation hexadécimale. Et une représentation hexadécimale, c'est beaucoup plus simple à convertir en binaire. Et donc, à partir de là, on a un mapping plus facile avec des longueurs de préfixes qui peuvent être variables. Donc, ça, c'est la première représentation, mais vous allez me dire, c'est horrible cette représentation, parce que il y a beaucoup de trucs à écrire. Mais on va essayer maintenant de la simplifier, et donc, par exemple, quand on a des zéros qui sont à gauche d'un nombre, eh bien, on peut les éliminer, et ça va, donc, de cette manière-là, réduire la taille de la notation. Alors, on peut faire encore mieux, c'est si on a une séquence de bits à zéro, eh bien, on peut complètement l'éliminer de la représentation et mettre à la place 2 points, 2 points. Alors, évidemment, quand on voit 2 points, 2 points ici, on ne connaît pas la longueur. Mais comme on sait que l'ensemble doit faire 128 bits, eh bien, on peut en déduire la longueur de cette séquence 2 points, 2 points.
Évidemment, la règle, c'est que vous pouvez le faire qu'une seule fois. Vous n'avez pas le droit d'écrire quelque chose, deux points, quelque chose, deux points, quelque chose. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez plus de... Donc, vous n'aurez plus de connaissance de ces longueurs-là. Donc, on va le faire apparaître une fois. Alors, l'exemple le plus joli, c'est l'adresse lien local. En IPv4, c'est 227.0.0.1. Donc, c'est l'adresse qui permet à deux processus dans votre machine de communiquer entre eux. Donc là, on ne passe pas par le réseau, on boucle directement par le noyau de la machine et on va d'un processus à l'autre. Donc, vous verrez ça dans les TP, par exemple, quand on commencera à faire le routage. Vous allez avoir dans votre machine un processus de routage OSPF, par exemple. Donc, on va utiliser un programme qui s'appelle Zebra. Donc, vous allez avoir votre programme Zebra ou Quagga qui va tourner. Et vous allez, par exemple, avoir une instance d'OSPF. Et donc, ces programmes-là sont des protocoles de routage qui communiquent avec le noyau. Quand vous allez vouloir vous connecter dessus, eh bien, vous allez ouvrir un shell et vous allez faire telnet, mettons, OS... 227.0.0.1 et après OSPFD, si ma mémoire est bonne. Donc ça sera le numéro de port qui correspond au port de monitoring pour accéder donc à la configuration d'OSPF. Donc là, votre programme Telnet va communiquer en interne en utilisant cette adresse 127.0.0.1. Donc ça, c'est une solution. Alors, un des avantages énormes d'IPv6, c'est qu'au lieu de mettre l'adresse lien local d'IPv4, on peut le faire en IPv6. Et à ce moment-là, au lieu de taper cette horrible séquence, vous n'aurez qu'à taper telnet 2.2.1 OSPFD. Donc là, vous voyez trois caractères à taper, plutôt que cette séquence ici de caractères. Donc comme l'ingénieur système est feignant, bah, il est content. Et donc ça lui permet de taper plus rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette séquence-là? Ça veut dire que l'on a 127 bits à 1, à 0, pardon, et le dernier est à 1. Donc, ici, on a cette représentation qui est la plus compacte que l'on peut avoir. Alors, on verra aussi, par exemple, une route par défaut. On avait vu qu'en IPv4, on l'a noté 0/0. Qui est équivalent à 0.0.0.0/0, et bien en IPv6, on la notera 2.2./0. Donc tous les bits à 1 également. Donc ce qui nous fait que pour certaines adresses, on va avoir une représentation très courte, même si derrière, on manipule 128 bits. Alors, l'autre cas, alors vous avez vu, on sépare les mots de 16 bits par des deux points. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'on a le droit, dans certains cas, et on regardera ces cas quand on étudiera la transition, on a le droit d'inclure une adresse IPv4 dans une adresse IPv6. Une adresse IPv4, c'est 32 bits, IPv6, c'est 128 bits. Donc, au maximum, on pourrait mettre 4 adresses IPv4 dans une adresse IPv6. On n'ira jamais jusqu'à là. De temps en temps, vous en trouverez une incluse. Dans d'autres cas, vous pouvez même en avoir deux. C'est de plus en plus rare, mais ça peut exister. Et c'est utilisé dans les phases de transition pour passer d'IPv4 à IPv6. Donc, c'est pour ça que là, ce que l'on va avoir, on va avoir les deux points qui vont nous montrer l'adresse. Donc ici, on a 2.2, donc plein de bits à 0. FFFF, 192. C'était quoi? 192.0.0.1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc 192, c'est C0.
en hexa, ça c'est 0, 0. Et donc j'aurais pu l'écrire aussi 0, 2, 0, 1. Donc l'équivalent aurait été FF, c'est 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1. Alors évidemment, ça apparaît moins clairement comme une adresse IPv4. Donc, si on le représente comme ça, on montre explicitement qu'on inclut une adresse IPv4 dans l'adresse IPv6. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a les points et les deux points, pour séparer. Alors, le problème du deux points, c'est que ça peut être ambigu. Par exemple, si je vous fais telnet 2001 660 73 01 1 2.2.1 2.80. Qu'est-ce que je fais? On peut l'interpréter de deux manières. Vous savez que vous pouvez faire, par exemple, telnet toto 2.80. Ça veut dire que vous ouvrez une connexion telnet sur le port 80, le port utilisé généralement par les serveurs web. Là, c'est ambigu. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que je veux aller sur la machine qui se termine par 1.80 ou sur la machine dont l'adresse IPv6 se termine par 1 et sur le port 80. Donc là, on peut avoir des ambiguïtés. Alors, quand on a ce type d'ambiguïté, ce que l'on fait, c'est que l'on met l'adresse IPv6 entre crochets. Et en la mettant entre crochets, donc vous allez pouvoir indiquer vers quel port. Ici, vous avez l'adresse IPv6 et ici, vous avez le numéro de port. Donc ça peut être des choses que vous aurez à taper, par exemple, dans un browser web. Si vous avez un serveur IPv6, dont vous ne connaissez que l'adresse IPv6, et vous voulez aller sur un port particulier, à ce moment-là, vous devez utiliser cette notation entre crochets. Donc, ça, c'est quelques petites difficultés, mais bon, c'est à savoir. Alors, le seul gros piège que l'on peut avoir sur une adresse IPv6, c'est de ne pas faire attention justement à l'optimisation qu'on a fait au début. Et par exemple, quand je tape 2001.0.db8.2.3, eh bien, quand je tape ça, 2001.0.db8.2.3, 2.2./40. Alors, vous voyez, on reprend la notation CIDR qu'on a utilisée, qu'on avait vue la dernière fois. Donc 40, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on a utilisé 40 bits. Si vous regardez une adresse IPv6, on a vu que chaque caractère représente 4 bits. Donc 40, ça veut dire que je prends 10 caractères. Et donc, je vais me dire, 10 caractères, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est bizarre. Donc là, il y a un problème. En fait, là, j'ai mal noté la représentation. Donc c'est pas le 3 que j'ai impliqué. Mais en fait, j'aurais dû écrire correctement mon 3, c'est-à-dire dans la forme étendue, 0, 0, 0, 3. Et quand je fais 2.2./40, en fait, j'ai pris 0, 0. Et je n'ai pas pris le 3. Donc, c'est un piège, c'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de choses, avec un slash, vous devez quand même avoir, non pas la représentation compressée que vous utilisez pour économiser de l'encre, mais bien voir la représentation complète, où vous allez donc avoir cet alignement. Et donc, si vous vouliez représenter 3, puisque vous vouliez avoir un 3 ici, eh bien en fait, vous auriez dû avoir 2001, 0, DB8, 2.
Alors j'aurais pu écrire 0, 3, 0, 0, 2 points, 2 points, slash 40. Et de cette manière-là, je présente les 10 premiers caractères. Et donc là, j'ai bien mon 0, 3. Alors si je suis feignant, évidemment, je peux aussi éliminer ce 3 et juste noter donc 300 slash 40. Et de cette manière-là, donc je prends le 3 en considération. Donc on verra ça dans des préfixes par la suite. Donc il faut faire attention à cet alignement sur la gauche. Donc voilà, ça c'est les seuls pièges que vous avez au niveau de la notation. Alors on en a peut-être parlé un peu la dernière fois, mais la question c'est, est-ce que ça va suffire? Donc vous avez en mémoire les problèmes que l'on avait eus dans les années 93, quand l'Internet V4 a explosé. Et on se rappelle ce qui avait été dit dans les 10 ans avant, en 83, en disant on prend des adresses IPv4 sur 32 bits, parce que on a 100 machines sur le réseau, et arriver à 4 milliards de machines sur le réseau, c'est complètement inimaginable. Donc on a tout l'espace suffisant, avec 32 bits, pour numéroter tous les ordinateurs sur Terre pour des siècles et des siècles. Bon. Évidemment, les progrès techniques ont fait que maintenant, les ordinateurs ne tiennent plus dans des salles climatisées, mais c'est à peu près tout qui va être connecté au réseau. Donc déjà, vous avez vos ordinateurs, vous avez vos téléphones portables, vous avez les téléphones fixes aussi qui sont de plus en plus avec une adresse IP. Bientôt, vous aurez vos voitures qui seront connectées avec des adresses IP, ainsi de suite. Donc on a de plus en plus d'objets, d'éléments qui vont être connectés au réseau. Donc, est-ce que 128 bits, avec 128 bits, on ne va pas reproduire l'erreur qu'on a faite il y a en 83 en mettant 32 bits en disant on a largement la place? Alors, a priori, non. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à changer de protocole IP dans les années qui viennent, parce que de puissance 128, c'est un nombre énorme, hein, c'est 3,34 suivi de 38 zéros, donc ça fait un nombre énorme, hein, je ne vous le prononcerai pas. Mais si on prend le nombre d'habitants sur Terre en 2020, chaque habitant sur Terre aura 60 000 milliards de milliards d'adresses. Alors si vous regardez en IPv4 à l'heure actuelle, un Américain en a 6, vu toutes les classes A qui ont été allouées au démarrage, un Européen en a une, un Chinois en a 0,1 et un Indien en a 0,01. Donc, en passant en IPv6, tout habitant sur Terre aura 60 000 milliards de milliards d'adresses. Donc, ça devrait être suffisant pour connecter tous vos téléphones portables, toutes vos voitures, tous vos ordinateurs et autres sur le réseau, en passant aux ampoules électriques, etc. Et donc, en fait, on peut dire, alors vous avez plein d'analogies pour parler d'IPv6, on peut dire que si le volume des adresses IPv6, d'IPv4 tenait dans un seau, le volume des adresses IPv6 serait équivalent au soleil, au volume du soleil. Ou des choses comme ça, enfin pour montrer toujours que c'est un nombre considérable. Alors je ne sais pas si ces analogies sont vrai, hein, j'ai jamais fait les calculs, mais en gros, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au bout de cet espace d'adressage, et n'arrivant jamais au bout, eh bien, on peut justifier une longueur d'adresse fixe. Alors, ça, c'est un peu l'amusement des informaticiens, hein, à trouver des analogies stupides pour montrer qu'IPv6, il y a beaucoup de choses. Mais ça a été mal compris par la communauté. En gros, vous avez des gens qui disent, bon, quand un enfant va naître, on va lui donner son adresse IPv6. Ou ma chaise, ici, je vais lui donner une adresse IPv6. Comme ça, je pourrais la mettre dans mon inventaire. Alors ça, c'est complètement stupide. Parce que vous avez peut-être une adresse IPv6,
Mais l'adresse IPv6 n'a de sens que quand vous êtes connecté au réseau. Quand vous n'êtes pas connecté au réseau, vous n'avez pas d'adresse IPv6 et vous ne devez pas en avoir. Alors en plus, l'adresse IP, en IPv6, on va reproduire ce que l'on fait en IPv4 avec CIDR, c'est-à-dire que l'adresse sert à vous localiser dans le réseau. Et donc, si vous changez de place dans le réseau, eh bien, vous devez changer d'adresse. Donc, vous verrez avec Jean-Marie Bonin les protocoles de mobilité. Donc, Mobile IP, par exemple, c'est un moyen de jongler avec des adresses quand vous vous déplacez dans le réseau. Donc, on ne peut pas donner une adresse IP à un bébé qui vient de naître, parce que sinon, il ne pourrait plus quitter la maternité. Il serait donc lié au réseau de la maternité. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que même si vous ne bougez pas, vous aurez peut-être à renuméroter. Parce que même si vous, votre réseau, votre entreprise n'évolue pas, l'environnement extérieur va évoluer. Les opérateurs vont se faire racheter entre eux, de nouveaux opérateurs vont apparaître, l'interconnexion entre les opérateurs va être modifiée, et donc on va peut-être se retrouver avec des plans d'adressage qui sont moins optimaux, et on aurait intérêt de temps en temps à changer les règles d'adressage pour s'adapter à l'évolution du réseau. Voilà, ce que je vous dis là, c'est un rêve. C'était des choses qui étaient un peu prévues à l'origine d'IPv6, on va en retrouver des séquelles dans les protocoles. On avait même, au début, dans les scénarios d'IPv6, pensé au fait que le matin, vous pouviez vous connecter à un opérateur et l'après-midi à un autre, pour des raisons tarifaires. Mais ce genre de choses est abandonné. Chose plus grave, entre guillemets, c'est qu'à l'origine, et on verra, les plans d'adressage d'IPv6 ont essayé de faire disparaître les adresses PI, Provider Independent, qu'on avait vu la semaine dernière et qui permettait à une société de pouvoir gérer le multi-homing. Donc ça, il y avait des tentatives, on les verra par la suite, mais ça n'a pas marché. Ce qui fait que tous les registres ont réintroduit maintenant l'adressage PI pour IPv6. Et donc ça veut dire que pour des grosses sociétés, on va leur donner un préfixe, alors pas à vie, il y a quelques, dans les contrats qui lient ces sociétés avec leur registre, il y a des contrats pour qu'elles puissent rendre ces préfixes, mais en règle générale, donc pour l'instant on considère que c'est une allocation à vie, et que ces sociétés donc ne renuméroteront jamais. Alors si c'est vrai au niveau de grandes sociétés, c'est un peu plus gênant au niveau des particuliers. Si vous prenez Madame Michu, eh bien, pour l'instant, elle a son abonnement à DSL, elle est très contente. Elle peut lire Ouest France sans problème. Par contre, dans quelques années, elle aura peut-être besoin, pour des raisons de sécurité, mettons qu'elle est malade, elle a du monitoring chez elle à la maison, donc on voudrait un accès en secours à un accès à DSL. Et donc, on va connecter son réseau à deux opérateurs. Un sur ADSL ou sur fibre et un autre en LTE. Eh bien, dans ce cas-là, la gestion du multi-homing va être beaucoup plus complexe. Parce que si on lui donne un PI à Mme Michu, ça veut dire que l'on va rajouter une entrée dans toutes les tables de routage de la Terre, donc dans tous les routeurs IPv6, enfin de cœur de réseau. Donc, si ça se cale pour des grandes compagnies, parce qu'il y en a peu, si on applique ça au grand public, eh bien, on explose les tables de routage. Donc, ça veut dire que derrière, on a des solutions à l'heure actuelle qui sont provisoires, et donc, il faut quand même avoir en tête des solutions pour pouvoir renuméroter des réseaux, pour pouvoir gérer le multi-homing de manière beaucoup plus scalable, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune solution crédible, ou de solutions qui sont largement déployées, on est encore de ce côté-là au niveau de protocoles qui sont définis au niveau de la recherche. Et donc, il faut continuer à travailler sur ce point. Donc, d'un point de vue opérationnel, ce que vous avez à l'heure actuelle, c'est à peu près les mêmes règles d'allocation qu'en IPv4.
C'est-à-dire qu'un site terminal qui n'a pas besoin de multi-homing se verra attribué à un provider aggregable, donc qui dépend de son ISP. Et si vous êtes un gros site qui est connecté à plusieurs ISP, à ce moment-là, vous pourrez avoir un PI. Et donc, vous avez un préfixe pour la vie dans ces cas-là.